Yeah. Cinq mois après l'ouverture de Brunchini, notre café, on fait le bilan. Aujourd'hui, on est mardi, d'où le fait qu'on soit fermé, puisqu'on a fermé tous les mardis du mois de septembre et d'octobre pour se prendre un petit peu une pause. Et on est le 24 octobre, on ferme le 29 octobre. Alors, on ferme pas définitivement puisque on a une activité qui est saisonnière. Donc on travaille que les saisons d'été et ici l'hiver il se passe rien. Autant l'été il y a plein de monde dans le golfe de Saint-Tropez en général, c'est une région qui vit énormément. Et l'hiver il y a plus personne, il y a plus rien. Et c'est vrai que pour notre année d'ouverture c'est pas intéressant. Et puis financièrement on n'est pas en mesure de rester ouvert tout l'hiver puisqu'on perdrait plus d'argent. Donc les calculs ont été faits, ont été assez rapides pour le coup. Et dans l'immédiat on préfère se concentrer sur les saisons d'été. Et on verra par la suite ce qu'on va faire. Cet hiver d'ailleurs, on va partir à la montagne, on repart à la montagne, à Val d'Isère comme l'année dernière, mais ça, c'est un autre sujet. Et je voulais du coup vous faire un petit peu le bilan de ces 5 mois passés ici. Le bilan aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel, puisque ça a été un réel challenge en fait à tous les niveaux. On va commencer par le professionnel. Je me suis associée avec mon mari et ma belle-sœur, qui sont dans la restauration, hôtellerie-restauration depuis 10 ans et quelques. Quelque chose comme ça, ils ont toujours été dans ce domaine-là et pas moi. J'ai eu une expérience professionnelle en Australie dans un café coffee shop, mais c'était complètement différent puisque le produit, on va dire, principal, c'était le café. Ici, il y a évidemment le café, mais c'est pas que ça puisque il faut qu'on puisse gagner notre vie. Les charges et les loyers sont assez importants ici et c'est surtout qu'on a décidé aussi de faire du brunch. Alors, encore une fois, le café est un élément qui est hyper important, mais on fait aussi de la vraie restauration. On propose des plats, on a des personnes en cuisine, etc. Du coup, voilà, ça a été un métier à apprendre, puisqu'encore une fois, moi, j'avais aucune expérience dans ce domaine-là. Encore une fois, le café, oui, mais c'était pas du tout la même ampleur. C'était un tout petit café et j'étais quasiment toute seule à travailler la majorité du temps. Donc voilà, le challenge était différent. Il a fallu apprendre ça. J'étais principalement, je suis toujours d'ailleurs derrière le bar, donc je m'occupe de tout ce qui est boisson et aussi tout ce qui est vaisselle derrière le bar. Il débarrasse les tables, je nettoie tout ce qui est verre, tasse, etc. Le reste, ça part en cuisine vers la plus grosse plonge. Ça n'a pas forcément été évident puisqu'il a fallu déjà apprendre les bases et aussi tout de suite avoir un rythme qui était assez intense. En plus du fait qu'on travaille en 7-7, que nos horaires soient longs. Au départ, on a commencé, on ouvrait de 8h30 à 19h. Rapidement, en fait, on a fait des pauses et on a changé, puis on s'est rendu compte surtout que de 16h à 19h, bah, il se passait pas grand-chose. Donc on a commencé à ouvrir le soir de 19h à 22h avec une coupure entre 16h et 19h, mais c'était
intense. En juillet aussi, parce que c'était prévu avant, on s'est marié, donc on rajoute à tout le stress entre guillemets et voilà, l'énergie qu'on avait, la quantité d'énergie disponible, le fait de devoir organiser un mariage en parallèle, tout ça a été un petit peu mêlé. Le stress du début, le fait de devoir apprendre la pression et le stress aussi un petit peu du mariage et de tout ce que ça impliquait, évidemment l'excitation bien sûr, mais comme j'étais un peu dans un, comment dire, une énergie, je vais pas envie de dire négative, mais voilà, beaucoup de pression, beaucoup de stress, on ouvre une activité, on espère que ça va marcher au départ, forcément ça prend un petit peu de temps, on doit se faire connaître et c'est normal. On rajoute le fait du mariage, bref, on a eu beaucoup d'aide donc heureusement. C'était pas forcément la période la plus simple. Tout le monde a dû prendre ses marques en fait, puisque évidemment eux avaient la chance d'avoir cette expérience là et en même temps, cette activité, le brunch, c'était tout nouveau. Le fait de devoir travailler sans vrai service, puisque bah, dans un restaurant entre guillemets classique, souvent on a des services par exemple le soir, 19h30, 20h, puis 21h30 et quelques. Et ici, pas du tout en fait, les gens arrivent entre 10h et 15h à n'importe quelle heure. Et c'est vrai que voilà, c'est toute une organisation à trouver. On fait pas mal de choses maison, tout ce qui est jus frais, tout ce qui est citronnade, thé glacé. Donc voilà, il a fallu trouver nos recettes, pareil pour tout ce qui est cookies ou type qui décide de se gratter. D'ailleurs, j'espère que vous entendez pas trop le bruit des frigos autour. J'ai un micro sur ma caméra, mais j'espère que ça chopera pas tous les bruits environnants. Bref, juillet, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai que c'est une vérité en fait pour tout le monde, en tout cas dans le golfe de Saint-Tropez et les gens avec qui on en a discuté. L'activité était un petit peu différente que d'habitude, mais bon, première année, nous on découvre tout, donc en fait, on n'a pas vraiment d'éléments de référence, que ce soit en termes de quantité de clients, en termes de chiffre d'affaires, etc. Août, bah forcément, ça a été la période la plus intense parce qu'encore une fois, on travaillait le soir. Alors même si on s'alternait, ça restait quand même un rythme qui était assez soutenu, mais on était rodés et ça se passait bien. Évidemment, quand on se prend un petit coup de rush, bah, c'est jamais très simple puisque il faut pouvoir gérer. Et puis encore une fois, moi je pense que j'ai pris mes marques, mais je suis pas aussi rapide que les autres et je le sais. Et puis même, on est tous différents. Pour apprendre quelque chose et être bonne dans ce que je fais, j'ai besoin de les pratiquer un peu plus lentement et progressivement j'augmente le rythme. Mais c'est vrai que quand on a énormément de passages, quand il y a énormément de clients, bah on peut pas se permettre de prendre le temps comme on aimerait, donc faut accepter aussi que tout ne soit pas parfait. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple dans un premier temps. Je pense par exemple à tout ce qui est latte art, d'ailleurs j'ai vraiment pas très bien réussi, j'en suis pas très contente parce que j'en ai fait des largement plus beaux, je vous mettrai une petite photo. Non mais voilà, il faut accepter que tout soit pas parfait. Septembre, c'est vraiment le moment où je me suis sentie le mieux puisque j'étais vraiment rodée, le rythme a été aussi intense mais différemment. On a arrêté de travailler le soir, on a arrêté de travailler le mardi, donc on s'est vraiment concentré sur ce qu'on savait faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu ces moments de waouh, regarde ce que t'es en train de faire, regarde ce que t'es en train de vivre, ça fait hyper longtemps que tu rêves d'avoir un café. Je pensais pas forcément au brunch puisque pour moi j'avais vraiment l'idée un peu du café à l'australienne. Dans un sens, c'est ce qu'on vit aussi et j'ai eu plusieurs moments de waouh, prise de conscience, c'est génial ce qui t'arrive. Puis encore une fois, je pense que le rythme s'est posé donc j'ai pu vraiment en profiter et j'ai vraiment apprécié ce mois de septembre. En plus de ça, c'est une clientèle qui était hyper sympa. Tout ça fait que on a fait un beau mois de septembre et on en était ravis. On a fait aussi une publicité sur Instagram, je m'occupe du compte Instagram de Brunchini qui nous a fait connaître auprès de plein de locaux, plein de saisonniers, donc on a pu rencontrer du monde aussi, créer des contacts, des amitiés aussi. Et puis là forcément, bah, octobre, la fin entre guillemets temporaire approche, j'ai un petit pincement au cœur parce que bah, j'aimerais pouvoir garder un temps partiel de cette activité là toute l'année, sauf qu'encore une fois c'est pas possible, on verra par la suite, mais j'essaie de profiter de chaque jour et de me dire que voilà, ça va pas durer et là encore ça va vraiment pas durer puisqu'on est mardi, on termine dimanche. Profitez de ce qui se passe et vraiment le bilan est hyper positif. C'est une année d'ouverture donc encore une fois il y a son lot de challenges, notamment d'un point de vue financier. C'est pas évident quand on lance un business, on n'est pas seul non plus. C'est pas comme en activité avec les chiens où en fait au final ça ne dépend entre guillemets que de moi, aussi bien la réussite que bah, tout ce qui est chiffre d'affaires, etc. Là c'est un travail d'équipe, mais c'était aussi hyper intéressant d'avoir justement cette vie de travail d'équipe, cette vie un petit peu sociale aussi d'un point de vue côté pro, puisque je suis très souvent bah, seule dans mon activité professionnelle, entre guillemets je travaille avec des gens, mais le quotidien, les tâches, l'administratif, enfin bref tout ce que je dois faire, l'organisation, bah, je suis seule. Donc voilà, c'était différent et en même temps hyper cool. Je suis tellement contente qu'on puisse justement avoir cette activité là. On a de belles perspectives pour l'année prochaine, ça s'annonce plutôt très très cool. La réouverture est prévue pour début mai. Donc voilà, on verra à ce moment là. Côté perso, ça a été, comme je disais, un peu challengeant.
je sais pas si ça se dit, en juin, notamment juin, juillet, parce qu'encore une fois, je disais, bah, il y avait le mariage en plus, et pour le coup, à la fois, c'était hyper cool de rebosser en équipe, et j'ai vraiment pu l'apprécier sur la fin. Et au début, évidemment, je l'ai apprécié, mais moi, je me mettais énormément de pression, j'apprenais encore un métier, il y avait le stress, la fatigue par-dessus, ça m'a fait, je pense, ressortir un petit peu mes démons. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup, beaucoup broyé du noir, juin, juillet, j'ai beaucoup pleuré, parce que c'est un rythme hyper violent aussi, hein. On a fait du 80 heures pendant 5 mois et encore avant on bossait aussi alors un rythme différent mais ouais on a fait du 80 heures par semaine donc c'est épuisant parce que j'ai jamais bossé à ce rythme là, j'ai plus 20 ans non plus, on va pas se mentir, mais comme j'arrive maintenant à bien me connaître et savoir comment je fonctionne aussi, j'ai pris entre guillemets le taureau par les cornes, j'ai compris à quoi c'était lié, notamment le fait que si parfois dans la précipitation bah, on se dit certaines choses que moi je les prenne à cœur directement comme une attaque personnelle alors qu'elles le sont pas, souvent c'est pour apprendre des choses et encore une fois le feu de l'action fait que parfois la forme n'est pas toujours présente et on se l'est dit au début, si parfois on se rentre dedans parce qu'on est pressé, c'est normal, si parfois on se demande des choses de façon un peu précipitée, c'est normal aussi, mais pour moi qui n'ai pas vraiment déjà vécu ça et en plus de ça qui est un peu ce passif de je peux très très vite perdre confiance en moi, dès qu'il y avait certaines choses que je pouvais prendre à cœur, bah justement je les prenais à cœur fois 1000 parce que je me répète mais j'ai pas confiance en moi et donc je pars dans l'auto-sabotage très rapidement et c'est pas sain du tout. J'ai rapidement compris qu'il fallait que je travaille là-dessus, j'ai compris les points aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel sur lequel il fallait que je m'améliore ou du moins que j'approfondisse. C'est pour ça que j'ai recommencé une thérapie en août, ça m'a fait du bien, c'est une thérapie à la fois liée au corps et à l'esprit. Je sais plus le nom, psychothérapie, psychocorporelle, quelque chose comme ça, je vous remettrai le nom juste en dessous. Mais j'ai ressenti vraiment ce besoin de me dire il faut que je sois accompagnée pour faire ce travail parce que c'est pas très productif pour moi et pour ma vie personnelle, professionnelle, mon couple, etc. Il faut que je travaille là-dessus. Ça faisait un moment que je voulais reprendre une psy et du coup ça m'a vraiment poussée pour le faire. Donc c'est très bien. Je fais ça du coup depuis mi-août, ça me fait du bien. Je travaille sur le fait de mieux comprendre, beaucoup de mouches en ce moment, je travaille sur le fait de mieux comprendre mes émotions, mieux les analyser, mieux les gérer. Ça m'aide aussi pour la partie chien, mais voilà. Comme je dis, je suis 50-50 avec le fait que ça se termine parce que bah, j'ai envie que ça continue et en même temps j'ai hâte aussi de pouvoir me poser un peu, travailler sur des projets différents, mon activité avec les chiens. J'ai aussi pris des clients en tant qu'indépendant pour gérer tout ce qui est communication digitale pour eux, pour leur société, parce que voilà, on a besoin de sous aussi cette année, encore une fois avec l'ouverture du café, et un mariage aussi, on a besoin de sous, et c'est un point qui me stresse beaucoup, du coup j'ai besoin de savoir que je suis ok en sécurité de ce côté-là. Mais voilà en gros où j'en suis après ces 5 mois. Bilan hyper positif parce que expérience absolument incroyable, on a un cadre de vie aussi, enfin Port-Grimaud c'est vraiment un endroit qui est assez unique. Ils appellent ça la petite Venise du Sud et ça porte très très bien son nom. La vie est douce, c'est tellement agréable de pouvoir aller à son lieu de travail puis après se dire bah il y a le copain d'en face qui nous propose d'aller faire un tour en bateau, on prend notre maillot, on y va, on revient, on croise des gens. C'est con mais on croise des gens en maillot de bain dans la rue, les gens sont détendus globalement. Pas tous, mais beaucoup. Je pense très souvent aux gens qui travaillent dans des conditions qui sont pas aussi faciles, aussi agréables, et je suis très consciente et reconnaissante de cette chance qu'on a, donc j'en profite aussi à fond. Pour la suite de la journée, pour moi, je vais manger, j'ai pris de quoi me faire une petite salade, et ensuite je vais travailler sur l'ordinateur, rien de fun, puis je sortirai Jeep après, bref, un mardi. Une journée assez typique pour un mardi ces dernières semaines. Je suis en train aussi de faire un gros travail de fond pour tout ce qui est stratégie, en termes de contenu mais aussi mon activité professionnelle avec les chiens sur les réseaux sociaux. J'adore vraiment, quand je dis ça c'est pas des paroles en l'air, mais j'adore YouTube et j'aimerais arriver à faire plus de vlogs et je veux le faire et je vais m'y tenir parce que ça me fait du bien et je pense que si ça me fait du bien c'est que voilà, c'est quelque chose qui est positif dans ma vie. Je vais voir comment je peux arriver à trouver l'équilibre avec notamment le podcast que j'avais commencé l'année dernière, que j'ai fait pendant quasiment un an. J'adore ce format aussi, seulement il faut être réaliste, je peux pas tout faire, je peux pas avoir le temps de tout faire, donc je vais voir si je peux arriver à faire un mix entre les deux. Mais bref, si vous
avez des envies en termes de vidéos YouTube, etc. avec Jeep, j'ai une petite liste et j'ai des trucs dans la tête. Mais si vous aussi vous avez envie de voir des choses, par exemple nos routines, même si on en a plus ou moins, mais du moins on a certaines habitudes en termes de dépenses, peut-être purement plus d'éducation, si vous souhaitez que je parle un peu plus d'éducation, ou si au contraire vous voulez que je vous montre plus notre quotidien, bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir un petit peu plus ce qu'on fait avec le café, je vous mets aussi le compte Instagram de Brunchini qui est juste ici. Si vous souhaitez passer nous voir l'année prochaine, ce sera avec grand plaisir. Il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux qui sont venues. C'est trop cool en tout cas, donc merci. Bref, j'arrête de blablater, j'arrive pas à m'arrêter. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et je vous dis à très bientôt.